mettre. J'aurais pas dû faire mon radin, j'aurais dû claquer un heal. Je suis un idiot. Mais 60 âmes. Ah, et mon compteur de mort. Putain, je me suis pris pour un speedrunner et j'ai payé direct. Oups. Excusez, je vais que passer. Merci. Bon, pas de radinerie mal placée cette fois. S'il faut utiliser une fiole, on utilise une fiole. Le problème, c'est que ce passage, il faut vraiment être minutieux. Enfin, tous les passages faut être minutieux. En vérité. Oula. J'ai failli choir. Ah, les sacs poubelles de mort, là. Il est horrible. Chaque fois, il me fume. Ah. Non, par pitié. Non, mais j'ai paré, là, par contre. Allô ? Mais pas de le plus marcher, je crois. Non mais, dégage. Ah non mais je sais pourquoi je me nique. C'est que je tape... J'essaye de parer alors que j'ai mis un coup à la zub et que le coup c'est pas encore fait. Du coup forcément je crève, je suis bête. À chaque fois je dis qu'il faut que je fasse gaffe à ça et à chaque fois je bourre quand même comme un énorme sac. Ah, oh bordel. Oh, je vais encore perdre 1000 ans sur les sacs poubelles, j'ai pas envie. Bon, cette fois on va suivre. On se rappelle que le dragon béant, s'il nous tombe sur le coin de la gueule, il nous one shot. C'est là qu'il y a un mob, hein. Voilà, là. C'est pas vraiment les combats les plus passionnants, on va pas se mentir. Esquive. C'était lui qui m'avait buté tout à l'heure en plus, oui, c'était lui dans le coin. Elle est tombée là. On a quand même besoin de moins de coups pour les fumer, voilà, ça fait plaisir. Esquive, esquive, imbécile. Tu l'as vu qu'il allait te taper et tu l'as laissé te taper quand même. Mais 60 âmes.
Ah non, 100. Ah non, 60. On ne me tape pas. Voilà. Oui, je t'ai retrouvé. Oh. Je vais me ravitailler en eau avant d'aller retaper l'autre sac. J'en ai pour une seconde. Enfin, je suis en train de réfléchir à ma strat pour le dragon béant. Je me dis que chercher à lui rentrer dans le lard. C'était peut-être une meilleure idée. Ne provoque pas ces merdes. Est-ce que lui peut se prendre les sacs poubelles s'il avance? Je peux vérifier pour la science. Les sacs poubelles, on va l'ignorer. Les sacs poubelles s'en foutent. Là, il va me prendre dans le bac, je vais l'attendre parce que sinon il va me fumer. Voilà. Bon, lui, on a vu que si on collait à gauche, il sortait pas. Tu restes, tu meurs aussi, là, tu cherches. Ah oui, là il y a les gros rats un peu vénères. Je commence à le connaître le jeu, je commence. Alors on proc le con là. Voilà, tu viens, merci. On te parle tant que tu mets ton petit coup, je te mets un grand coup de stock là. Bonjour, toi s'il te plaît, merci. Voilà, mets un petit coup. Non, j'ai tapé trop tôt. Il s'était pas tout à fait cogné sur le shield. Faut qu'il se cogne sur le shield pour que ça les cancelle afin de pouvoir les taper peinard. Alors toi, t'as pas de bol, il me faut juste 10 HP. Voilà. Comme on dit dans le milieu. Chais. Voilà, et là on va tomber. Sur les gros sacs de mort. Pourquoi j'ai perdu des HP? Ah, c'est la chute. C'est quoi le moyen plus rapide de tomber dessus? Merde, je me rappelle plus comment on va sur le dragon béant le plus vite possible. Ah bah c'est là. Où tu vises? Où tu vises? Voilà. Petite humanité. Merde.
Ok. Ah oui, et là il y a les sacs poubelles de ces morts. Un, deux et trois. On voit le sac poubelle là. Il y a un autre sac poubelle un poil plus loin. Essaye pas de me bait, je t'ai vu. Je t'ai vu. Il essaye de me bait. Non, c'est ça que je veux. Voilà. Voilà. Viens un peu plus par là, j'ai peur que ça proque ton pote. Ah, alors là, vous m'expliquez comment je l'ai raté. Et en tout cas, je l'ai raté. Ouais, il n'y avait pas un autre. Bon, en tout cas, ça me va. Qu'est-ce qu'il vendait, lui, déjà? Ah oui, ton armure. Ah oui, la résine de pin dorée qui coûte 1000. Ça sert. Ah mais si ça se trouve, il me le donne ici parce que c'est fort contre l'autre dragon de ses morts là. Et genre, c'est un truc à mettre pour bourrer le dragon. Vas-y, je vais en acheter une au cas où. Je t'en prie. Ah bah, ça me l'a auto-équipé, d'accord. Je vais la garder dans la main au cas où je trouve un pattern où je peux le taper peinard. Par contre, c'est chiant qu'il n'y ait pas de chemin plus rapide pour aller le cogner. Il devait y avoir un raccourci. Non, je pense pas. J'ai pas eu l'impression de voir de raccourci du tout, peu importe où j'allais. Après, en même temps, il fait très sombre. On voit pas très bien dans ce pays. Ils ont oublié la lumière. Oui, mais je connais maintenant. Reviens là. Ah oui, je lui fais quand même de sacrés dégâts par rapport à tout à l'heure. Genre beaucoup plus. Bon, et là, comment je le gère? Et là, il se baisse. J'ai l'impression que quand il se baisse comme ça, c'est le moment d'essayer d'aller derrière parce que c'est là qu'il avance. C'est ça, hein. Quand il se baisse comme ça, il charge. J'ai l'impression par contre qu'il faut que je sois assez loin pour qu'il accepte de se baisser. Comment ça se passe? Voilà, là il se baisse et là c'est le moment de courir derrière. Et là comme je suis derrière, il va charger devant. Et là je le bolosse. Oh oui, ça double les dégâts! Allez, baisse la tête maintenant. Voilà, et comme il a baissé la tête, je retourne derrière. Et là, il avance. Ah merde! Oh merde! Oh merde! Qu'est-ce que... Oh le con! Putain! Comment tu l'esquives ça? Ah, je lui ai mis cher, c'est dommage. Comment t'esquives quand il saute? Faut repartir vers lui, c'est le plus sûr? Tu repars de l'autre côté par rapport à lui. Ah, par contre, j'ai plus d'astuces pour acheter la résine de pain. C'était combien? C'était 1000 la résine? J'aurais dû en acheter masse au cas où. Je m'attendais pas à ce que ça double les dégâts en fait.
Merde. On va tuer quelques bestioles sur la route juste histoire d'acheter des résines de pain en rab direct. Alors c'est pas le plus... C'est plus court en allant direct à droite en fait. Mais... Les rats là ils vont me rapporter un peu de... un peu d'XP. Mais à bord 100, ok. Il faut mettre à droite là pour venir chercher le deuxième. Ah, un peu plus devant. Voilà là. Voilà, j'ai assez pour acheter une résine. Okay. 1200, j'aurais pas assez pour acheter plus de toute façon, donc on va aller là direct. Voilà, double kill, parfait. Ah, on s'est entretué. Ah, je l'ai plus tué que lui, il m'a tué, bien sûr. Comment il rapporte ces merdes? 100. Oui, ça va pas me faire assez pour en acheter deux d'un coup, j'aurais aimé. On a vu que c'était fort. Ah si, ah non, il va me manquer deux pour avoir assez. Ah non, c'est bon, je sais juste pas compter. Faut en acheter deux d'un coup. Voilà. Ça va, vends-moi ça. On a vu que c'était fort. Je vais enlever de mon équipement les bombes incendiaires parce que tout à l'heure je les ai équipées sans faire exprès. Ça fait du bien quand t'as plus les bruits d'eau des égouts là parce que c'est vraiment désagréable. J'ai ajouté ma mort quand je suis mort, je me rappelle plus. Je suis à combien là? 43, non j'ai oublié d'ajouter la mort. J'ai oublié d'ajouter la mort qui m'a assassiné. Oui, et du coup, j'ai pas besoin de me battre à deux mains. Enfin, à une main, pardon. Ah oui, d'accord, j'ai voulu esquiver, il en arrive à foutre. Dans son dos, dans son dos, dans son dos. Allez, baisse la tête, je suis loin. Voilà. Et du coup, on retourne dans son dos. Voilà, vas-y, avance tranquille.
Allez, je suis loin. Baisse la tête maintenant. Voilà, parfait. Voilà, maintenant avance. Ok. Allez, je suis loin maintenant, rebaisse la tête. Ah, il veut pas. Allez, baisse la tête. Comment je lui fais baisser la tête là ? Il a baissé la tête. Ah, parce qu'il me gerbe à la gueule. C'est quoi cette merde ? Allez, baisse la tête. Voilà. Allez, avance maintenant. Allez, je suis loin, baisse la tête à nouveau. Merci. Ah, c'est du vomi. Arme endommagée. Il a baissé la tête, on s'en fout. Allez, avance maintenant. Quoi ? Pardon ? C'est une blague ? Est-ce que ce monde est sérieux ? Je suis ultra deg. J'ai... Ça m'a grave saoulé de crever comme ça. Genre je fais la même chose que depuis tout à l'heure et puis cette fois... Je prends aucun coup, je suis loin et je me fais OS par rien. Un régal. Je fais moins de dégâts, c'est parce que mon arme est endommagée, c'est ça ? Giga saoulé. Et là, comme mon arme est endommagée, faut que je me casse en fait. Faut que j'aille la réparer. Ah, mais merde. Plus grave d'ailleurs que ça m'ait tué. Vous voulez pas tomber ? Il trigger pas dans ce sens ? Ah, je suis deck, j'étais à deux doigts, c'est trop con. Il faudrait que je chope des âmes pour ajouter le fait de réparer au feu de camp. Je peux faire ça. Il le vend le forgeron, non ? Je voulais pas tuer, je voulais me casser en tuant personne, mais au final... Avec le shop 2000 âmes.
Lock-le, 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 merci. Oh, tu te rends compte que t'es chiant. Tu t'en rends compte. Montage. Salopard. Non, non, je veux esquiver, je veux rien taper. Oh bordel. Heureusement que l'ennemi est aussi mauvais que moi. Aïe. Ah, je suis où là? Non mais délogue par contre. Je suis allé où? Ah, je suis retombé là, ok. Ayamir. Putain, je repense à ce dragon qui m'a one-shot sans raison, alors j'ai fait la même chose 4 fois de suite, je suis dégoûté. J'ai l'impression d'avoir trouvé le bon pattern, de l'avoir dans la tête, de l'avoir téléchargé. Et il m'a niqué. Il m'a niqué. Il est où l'autre? Pire de Dieu. Il me faudrait un poil plus d'âme. Où est-ce que je vais croiser des ennemis à buter? Ah bah là il y a déjà... Oui bah oui là il y a les salopards là. Et tape-moi. Voilà. Combien il ramène là? 100. Enfin, c'est pas ouf mais... Ah il y a les deux loups au-dessus aussi, c'est ça? Les loups de ses morts. Ah oui, évidemment. Non, moi je veux aller là. Pourquoi il met un coup de pied? Pourquoi il a changé de lock? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Dégagez. Voilà. Merci. 1520. Ah bah j'ai pas vu que t'avais où toi, merci. Une dague de bandit. Pourquoi? Ah oui, la flèche rouge vers le bas là, juste sous ma barre d'endurance. C'est la flèche qui dit, gros, ton arme elle est cassée. Donc tu perds des dégâts. Va la réparer, connard. Ouais. J'ai traduit mais en gros c'est ça. Hein. Pom, 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 pom. Déjà 3 heures que je suis occupé à me faire casser le cul par ces salauds. Allez, tape. Bon, d'accord. Bonjour. Bah dis donc, Superman. Ah t'es mort. Oui non mais c'est plus facile ici. Voilà. Cette zig de la déprime. Face à ma mort. Encore, encore et encore. Ouh. Oh. Bon, bah, je vais avoir tout juste ce qu'il faut en âme pour pouvoir acheter le machin pour réparer sur, au feu de camp. Je savais pas qu'il y avait ça comme mécanique sur le jeu. Enfin, j'avais vu la durabilité, mais... Après, j'ai l'impression que le dragon m'a pété masse durabilité d'un coup, quoi. Ouais, c'est peut-être qu'une impression.
Je m'attendais pas à ce qu'il me retape. Monsieur, monsieur, monsieur. C'est pour la baston. Bon, je vais avoir assez pour réparer et acheter. Il respawn pas le monstre de titanite. Bon, non, j'imagine pas parce que sinon il serait. On pourrait faire des farms débiles avec en permanence. Monsieur le forgeron, j'ai besoin de vous. Il me faut un coup de main. Salut ma poule. Ouais. Mais l'air en forme. Ah non, non, pas trop, non. Acheter objet. C'était pas lui qui vendait. Ah oui, voilà. Outil de réparation d'armes et d'armure. Ah, et c'est ça le. Ok. Les portes que j'avais vues, c'est lui qui donne l'emblème pour ouvrir. Il faut 20 000 âmes. D'accord. Ça marche. Eh ben, je veux que tu me vendes ça. Don't get yourself. Réparer équipement. Voilà. Ah oui, et là on voit du coup que mon stuff il a pris des tatanes dans la gueule aussi. Les protections quoi. Ah oui, elles ont pris bien cher d'ailleurs. Bon bah on va retuer des salopards sur la route là. Retourner à l'Ichefeu. Réparer tout l'équipement. Et retourner au dragon béant. Et cette fois, on aura de quoi pouvoir réparer sans avoir à refaire demi-tour jusqu'au forgeron. On va pas se mentir, la baisse de dégâts était assez, assez brutale. Oh merde. Tu vas te calmer. Non mais tu vises où? Tu vises où? Voilà, dégage de là. Salut. Oui voilà, 244 de dégâts, c'est mieux. On va les tuer machin là. Bonjour monsieur. Merde. Je devrais avoir assez pour réparer. Non, il me fallait 900 et quelques pour réparer. On va aller buter les deux squelettes qu'il y a juste là. Enfin, trois du coup. Merde. Mieux. Ah, ça loue des trucs en plus, c'est gentil. Ah bah encore la rapière, putain. Y'a pas un endroit où on peut vendre les armes? Histoire que je me débarrasse de toutes les merdes que j'ai en quadruple. Ou alors faut juste que je les jette quand j'en ai marre. Pas un truc caché là? A priori non. Aïe. Ça sentait le truc caché quand même. Salut.
Non, c'est pas niveau supérieur, c'est réparer équipement. Ok. Ah oui, et mon fameux shield aussi, qui a pris un peu la sauce. Bon, je vais tout réparer parce que ça m'énerve de voir des trucs là. Voilà, juste lui, il faudra le réparer un jour. Voilà, on repart fringant. Tel un sous neuf. Ah oui, avec ma souris toujours au milieu de mon écran. Dès que j'alte tab, en fait, ma souris revient au milieu de mon écran, c'est un peu pénible. Non, non, tu ranges ta bombe. Et toi, tu meurs. Un passage parfait. Je récupère un peu d'âme sur la route parce que il va falloir que je rachète de la résine de pain là. Pour lui reboter le cul à l'autre con. Enfin, même s'il m'en reste un drabe, c'est quand même mieux si j'en ai 4-5 qui traînent. Histoire de lui farcir le fessier. Donc on va prendre le temps de tuer tous les coquinous. Ah, je sais pas où je visais, mais je sais pas où tu visais non plus par contre. Hop, 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 hop. Hop, par là. Laisse-moi juste le temps de taper, merci. Voilà. Très aimable. C'est pas mal en fait cet anneau de... de vol de vie. Puisque ça fait que quand je les pars eux, ils m'enlèvent à chaque fois un chouille de PV parce que j'ai pas le shield parfait. Mais du coup je le reprends instantanément à chaque fois. Donc c'est plutôt intéressant de ce point de vue. C'est plutôt pas mal. Oh bordel. Bon évidemment avec les loups, enfin, les chiens ça marche pas. Que ces connards me cassent le cul. Je n'aime pas les chiens, 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 je n'aime pas ces chiens là. Non mais ah bah voilà, eh voilà. Mets-toi sur le fil de mon rasoir. Moi ça me va. T'es cache. Les poutres sont pénibles. 1200, on a de quoi en acheter une résine de pain. Donc là on a un sac poubelle à gauche qu'il faut pas faire attention à pas prendre. Et on a un couillon avec une torche devant la face. Salut. Voilà, on a vu, tu fais des petits moulinets, c'est rigolo. Maintenant je suis. C'est clairement le boss final du jeu. Salut à toi Phoenix911. J'ai failli t'oublier toi. J'ai cru qu'il allait m'attaquer et du coup j'ai reculé. Tout va bien. Et tout à l'heure je disais, ce qui est vraiment bien dans ce jeu de ces morts, c'est que même une fois que t'as bourré les boss de fin du jeu, les bestioles de base peuvent te cramer. Alors en vrai, les squelettes au début ça va. Mais ces putains de chiens, c'est l'exemple typique. Même une fois que t'as tronché le jeu, ils te font comprendre que tu les as pas tronchés, pas assez.
On y est presque. Salut. Dégage. Oh. On va avoir de la thune pour acheter une résine de pain et même deux. Ah oui, alors attends, tant qu'à faire. Ça coûte déjà 18 à réparer. Hein. Ça s'abîme vite. Hein. Bah j'ai l'impression que c'est ça, en effet, ouais. En fait, les boss, ils sont là pour t'entraîner à fighter les mobs de base. Salopard. Bon, après, le dragon béant, il m'ouvre bien la gueule quand même, hein, on va pas se mentir. Est-ce que je vous tue ? Oui. Je me suis mis à taper en mode ils veulent pas taper, j'y vais. Et évidemment, à ce moment-là, ils se sont mis à taper. Coquinou. Alors, lui, j'ai la flemme parce que lui, à chaque fois, il me met un coup. Ah, mais le one shot qu'il m'a mis, il était tellement abusé, quoi. En vrai, j'étais pas full HP. Je suis pas sûr que ça aurait changé grand chose que je sois full HP. Full HP, pardon. Je pense qu'il m'aurait OS quand même. Merde, alors ça, c'est très con. C'est vrai qu'il est con, mais le problème c'est que des fois il te one shot sans raison, c'est ça mon problème avec lui. Parce que c'est vrai qu'il est stupide, hein. Son IA elle est complètement débile. Mais si tu t'approches un petit peu trop de la patte, même à 4 mètres elle peut t'OS quoi. Après il faudrait que je revoie le clip de quand je suis mort parce que si ça se trouve j'étais vraiment proche et je m'en suis pas rendu compte. Ah merde, j'ai mal fait. Non, alors ça suffit. Faut que les deux décident de taper en même temps. Voilà. Merci. Sont vraiment dégueulasses ces mobs. Hein. En dehors. Non, un par un. Qu'est-ce que je viens de dire? Tape. Oui. Renverse pas ton pote comme ça, il est déjà mort. Là, il y a un petit rat, c'est mort. Ça me cave de me faire bolosser par les mobs que je connais. Salut. Ah, mais il y a une nouvelle loi sur les déchets plastiques, hein. Il faut arrêter. Oh merde. C'est con ça. Non, je m'en fous de lui. Non, vise celui à droite. Voilà, merci. Non, mais toujours pas. Salut. Je sais pas ce que j'ai foutu avec lui. Moi, quand on m'a dit que c'était des grenouilles, j'y croyais pas. Ça ressemblait plus à des gros rats mutants pour moi. Des rats vraiment chelous. Croisé grenouille, croisé mutant. Mais c'est vrai que les pattes, c'est des pattes de grenouille. Bon. Il me faut ta résine de pain. Ouais, tais-toi, vends-moi tes merdes. Ah, il a plus de résine de pain, je vais déjà tout acheter. Non, vraiment, j'ai déjà tout acheté de résine de pain. Ah, ça veut dire que j'ai qu'une résine de pain pour réussir à bolosser l'autre con. Well, that is a shame. Bon, bah. Croisons les doigts.
Souhaitez-moi bon chance. La la la. Non, non, crosse pas tout de suite. Je vais aller faire pipi pour être à l'aise quand je le tue. Je reviens. Ouais. Ouais, ouais, je sais que c'est demain celui-là. J'ai appris. J'ai appris à la dure, mais j'ai appris. Oui, ça va, on te connaît. Bah, c'est gentil de commencer direct à être con. Allez, avance maintenant. Allez, baisse la tête. Je suis loin, baisse la tête. Merci. Alors, tant qu'il bouge, faut pas l'approcher de trop près, sinon c'est le one shot. Non mais par contre, tape-le. J'ai fait de la merde. Allez, je suis loin, baisse la tête. Il baisse pas la tête. Oh. Mes âmes. Il vient de sauter là, c'est ça? Ah, il a rebaissé la tête. Ah ouais, mais j'ai pas été assez rapide pour me mettre derrière. À vouloir récupérer mes âmes qui servent à rien. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'envoles? Voilà, alors quand il vole, je sais pas quoi faire. Ah non, il rebaisse la tête. Ah, il me vomit dessus. Ah! Il a pas voulu charger cette fois. Allez, baisse la tête, je suis loin. Voilà, merci. Allez, avance maintenant. Je suis derrière toi. Voilà. On attend de bien être au contact avant de taper. On va bien loin histoire qu'il ait envie de baisser la tête. Je suis loin, faut baisser la tête monsieur. Il veut pas baisser la tête spécialement quand je suis loin en fait. Ah là il baisse la tête là? Oui. On court derrière. Il avance gentiment, on fait gaffe à la papate. Oh, il s'est retourné, il s'est pas envolé cette fois. Allez, baisse la tête. Baisse la tête! Baisse la tête. Restérisme, cœur. Il avance.
Allez, plus qu'une séquence. Allez, baisse la tête maintenant. Oui. S'il me remet pas un petit coup de patte en traître, c'est la victoire. Allez, avance. On se tient loin de la papatte. Allez, crève. Crève ! Oui, bien sûr ! Tu pues la merde, mon gars. Ah, merci. 25 000 âmes, bien sûr. Ah, alors du coup, j'ai assez de pognon pour aller acheter le petit médaillon du copain. Alors. Quand on sait que quand il se déplace, il peut te mettre un coup de papate qui one-shot, il est facile. En fait, il est vraiment facile. Il m'a donné un os du retour, c'est une façon de me faire comprendre qu'il n'y a rien d'autre à faire ici et que je peux me casser. C'est quoi cette texture? Oui, une petite texture nulle là. Ah, c'est les débris des trucs qu'il a cassés, ok. Où est la sortie du coup? Je dois repartir par le même endroit ou prendre un os du retour? Ou je rate? Attends, j'ai l'impression de rater un truc. Il y a une lampe torche à côté, c'est excellent. Une torche tout court. Oui, des lampes torches dans Dark Souls, c'est bien connu. Bah, en vrai, le Capra est plus difficile même quand tu connais la strat, quoi. Juste parce que caméra de merde dans un tout petit endroit. J'ai l'impression qu'il n'y a rien à faire. À part utiliser un os du retour pour me casser. C'est vraiment ça? Je suis un peu déçu si c'est vraiment ça. Mais y a rien d'autre à faire ici, Mustang, tu me confirmes? Ah, il y a le rat à la rigueur, il y a le gros rat à buter. Mais j'ai un peu la flemme. Bon bah écoute, on va utiliser un os du retour, on va pas s'emmerder. Oui. Enfin, l'os du retour va me ramener juste à avant, quoi. Tape-moi. Merci. Bah, je voulais aller acheter le médaillon avant chez notre ami le forgeron pour retourner dans la forêt. J'ai envie de savoir ce qu'il y a, du coup je suis curieux. Je savais que t'étais là. Ça va pas pareil. J'ai pas été assez rapide. Ah, pourquoi est-ce que j'ai regagné de l'humanité sans dépenser de l'humanité? Je l'avais perdu. C'est parce que j'ai buté les mecs qui m'ont buté, du coup je regagne l'humanité qui m'ont niqué. Je sais pas trop comment ça marche cette histoire. Non mais par contre. J'ai pas encore tout compris aux mécaniques de base du jeu. Et non, bah y a un pylône. Ça ne marche pas. Casse-toi. C'est le strike.
salaud. Putain, mais il a mouliné comme moi quand je tentais d'apprendre à faire de l'escrime. C'est vilain. Ah oui, il y a le famoso Dark Knight près des falaises. Ouais, 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 le fameux, ouais. Mon bully. Le mec qui m'a bully. C'est vrai que maintenant que je fais du dégât, par contre, il va moins faire le malin. Pas tant. 33 000 âmes, c'est beau ça. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller au forgeron et quand même monter de niveau. Il est long le jeu, mine de rien, parce que là ça fait quoi? Je suis déjà 8 heures dessus. Et j'ai buté 5 boss, c'est ça? 6? 5? Je sais plus. Non, c'est le premier. Je sais plus. 6! Oui, 6, c'est ça. Ah. Parce que j'ai eu les gargouilles. Le dragon béant. Salut. Les gargouilles, le dragon béant et le boss du tuto. Le capra. Le taureau. Et c'est, oui, c'est ça. Ah, j'ai même pas fait un quart. Bah ouais, tu m'étonnes. Mais tape-moi par contre. Je sais pas si j'ai un rythme normal pour une découverte sur Dark Souls ou si je suis un peu lent. Je me rends pas compte. Pourquoi il y a des sons de baston? Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, trouve, je suis rapide. Ah, bah, ça me rassure. Ça me rassure. Bah en fait, j'ai enfin démystifié un peu le jeu aussi. Il me fait moins peur qu'avant. Genre, j'ai compris comment gérer les squelettes sans trop paniquer. Le chevalier de la tour, je l'ai fait easy. Donc je dirais pas que je suis déjà un pro du jeu et que je suis prêt pour le speedrun, mais... Je suis assez content de comment ça avance. Ça aurait pu être 1000 fois pire, quoi. Ah oui, c'est vrai que du coup j'ai une clé des souterrains là, c'est ça que j'ai loot. Je sais plus ce que j'ai loot. J'ai loot une clé, c'est sûr, mais je sais plus laquelle. Bon, je vais pas les cogner, eux, j'ai la flemme. Bon, s'ils me poursuivent, je les tue par contre. Ah bah j'ai prévenu hein. Tu m'écoutes pas, tu meurs. Cette caméra du plaisir. Bonjour monsieur. Ah, je sais pas si le mec de Titanic. Non, le mec de Titanic il compte pas vraiment comme un boss, c'est plus un mini boss. Oui, j'ai besoin que tu me vendes ta merde. Merci. Oh, je crois que c'est ce qui va arriver quand même. On va monter les deux niveaux au feu de camp. Qu'est-ce qu'on monte? On continue la dex pour continuer à taper plus fort? Ou alors on se dit que ce serait pas mal de monter un minimum la vitalité? Ça fait combien de PV en plus la vitalité? Si je monte 2 points, ça fait 50 HP. Même pas, 45. Et si je monte la dex, ça fait de la dev de partout et de la... Ça monte pas la défense la vita? Ah si. Ouais, je veux continuer à vouloir taper plus fort en fait. Allez, on met de la dex.
Ah, il est plus là. Qu'est-ce qu'il disait les trucs là? Que. Ah oui, bah j'ai pas eu le temps. Faiblesse droite. Ah, ça spoil tout. Il dit GG, carcasse droit devant. Yes. Malédiction requis. Bah non, pas là, il ment. Je sais pas où c'était. Ah oui, mais là, voilà, on a nos potes de feuillage, là. Ma grand-mère feuillage qui va venir nous tabasser. Salut, grand-mère feuillage. Non, alors, faut le bourrer, grand-mère feuillage. Ah yes, lui aussi nous bourre. Jardin de noire souche. Ah oui, c'est vrai, il lâche le lichen à chaque fois. Wow, drop de frame. T'as la vache. Le jeu n'aime pas cet endroit. Ah oui, j'avais pas trouvé comment on allait là-haut encore. Oh bordel. Aïe. Non. Ça, c'est le câlin. J'ai reconnu. Et ça, c'est une falaise. C'est ça le pyramide du jeu, en fait. J'avais oublié qu'ils étaient chiants. En vrai, ils sont faciles à buter, j'ai juste merdé encore une fois. Bon, alors, vengeance. On va essayer de pas tomber dans le vide, on va progresser. Je sais pas trop comment les attendre, il faut que je me mette loin, que j'attende qu'ils mettent un coup, puis je leur rentre dans le lard. Là, genre, il me tape de loin, voilà, et puis une fois qu'il m'a tapé, je le bourre. Ça a l'air d'être une strat efficace. Regarde le message. Ah yes, mais lui, on peut. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, on pouvait le proc tout seul. Voilà, puis lui il spawn. Voilà, viens là. Il peut pas prendre de coup le temps qu'il spawn. J'avais oublié ce détail. Ah oui, il y a le feu de camp secret là que vous m'aviez aidé à trouver hier, c'est vrai. Menteur droit devant. Ah, menteur, d'accord, c'est pour dire qu'il y a un truc caché, très bien. Qu'est-ce qu'il a dit ? Secret droit devant, ah oui, d'accord. Ouais, ça spoil vraiment dans le jeu. Hein. Je sais pas si c'est important de réparer tout le temps, mais dans le loot, pour moi, ça l'est. Alors, j'ai le médaillon. Essayez élimination coup par coup.